en plein processus d'indépendance du Dominion à l'égard de la couronne britannique et sans attendre la ratification du statut de Westminster en 1931 portant sur l'autonomie législative du Canada, Mackenzie King avait décidé de consolider le ministère des Affaires étrangères fondé en 1909 en ouvrant des ambassades à Londres, Paris, Washington et Tokyo. Dès 1928, le Quai d'Orsay répondit officiellement à cette toute récente accession à l'autonomie diplomatique en nommant son premier représentant auprès du gouvernement canadien, John Knight. Cependant, les locaux de la mission diplomatique étaient à l'époque jugés insuffisants et incompatibles avec le prestige de la France, à laquelle une partie de la population manifestait son attachement en luttant pour la conservation de la langue et de la culture. Pendant 2 années, John Knight prospecta auprès d'agences immobilières et d'amis, mais l'immeuble idéal adapté aux exigences de ses fonctions de représentation restait introuvable. La France décida donc de construire son propre édifice. Le terrain idéal fut trouvé au bord de la rivière des Outaouais, dans un quartier privilégié de la ville, Promenade Sussex, à quelques encablures des superbes chutes du Rideau, nommées ainsi en 1613 par Samuel Champlain, explorateur français du Canada et fondateur du Québec. Le 14 juillet 1936, la première pierre fut solennellement posée en présence du Premier ministre canadien Mackenzie King. Et c'est le soir du 4 janvier 1939 que la haute société canadienne découvrait la nouvelle résidence de France. Ce nouveau bâtiment enchanta les esprits. Il enrichissait indubitablement la ville d'un geste architectural de qualité, mais, plus que tout, par cette création remarquable, il soulignait l'attachement de la France à sa relation avec le Canada et offrait un témoignage d'une valeur hautement symbolique à une population soucieuse de défendre ses origines et sa culture. Cette construction ouvrait de nouvelles perspectives diplomatiques et le bâtiment ne cessa d'être considéré comme un archétype d'art et d'architecture. Aujourd'hui, l'œuvre totale d'Eugène Baudouin, jeune prix de Rome et brillant architecte, continue d'enchanter les visiteurs par sa monumentalité et la richesse artistique du contenu initial. Des transformations sont venues apporter, depuis cette époque, leur note de modernité et de classicisme, conférant à ce palais national à l'étranger le statut de vitrine de l'art français du grand siècle à nos jours.